Bonjour, nous sommes sur un filtre à sable Hayward de type top SO166T. Nous allons vous montrer comment remplacer le bouchon de vidange. Tout simplement, vous avez votre bouchon de vidange ici, il suffit de le dévisser à la main. Alors évidemment, il faudra avoir vidangé votre filtre pour éviter d'avoir de l'eau partout. Voilà, on récupère le bouchon, on le retire et on revient ici remettre un autre bouchon. On va venir serrer. Voilà, à la main, c'est suffisant. Voilà. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à remplir votre filtre. Vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne Spareka YouTube. Vous avez un petit encart en fin de vidéo qui va vous permettre de vous abonner. Cet abonnement vous permet de recevoir des alertes pour avoir toutes les vidéos en live sur votre compte et qui vous permet d'être au courant de tout ce qu'on tourne tous les jours. Tous les jours, une vidéo publiée par Spareka. Voilà, merci, à bientôt.